Comme pour le cours de la jupe à godet dans un demi-cercle, je vais t'apprendre à créer une base qui te servira à réaliser toutes sortes de vêtements larges, comme le t-shirt, le sweatshirt ou encore le pull. Pour commencer, relève dans le tableau des mesures affichées à l'écran les mesures correspondant à ta taille. Puis découpe deux hauteurs de ton rouleau de papier craft d'environ 75 cm. Et sur le côté mat d'une de tes feuilles, trace un axe au stylo bille rouge, parallèle au bord droit de ta feuille et à 2 cm de celui-ci, et nomme-le le milieu devant. Répète cette étape sur ton autre feuille, mais cette fois à 2 cm du bord gauche de ta feuille. Identifie ton axe, le milieu dos. Les axes représentent le milieu du corps ainsi que le sens du tissu pour se repérer lors de la coupe. Les axes représentent le droit fil, c'est-à-dire les fils de ton tissu parallèles à la lisière appelée la chaîne. Prends ta feuille avec ton milieu devant et place les points A, B et C sur ton axe afin d'obtenir en AB la hauteur taille devant, par exemple en taille 38, AB égale 37 cm. Place ensuite ton point C tel que BC est égal à la hauteur taille hanche. Repère 19 du tableau des mesures d'une valeur égale à 22 cm pour toutes les tailles. Prends ensuite ta feuille avec ton milieu dos et place les points A', B' et C' tels que A', B' est égal à la longueur taille dos plus 1 cm en repère numéro 1 du tableau du mesure. Par exemple, en taille 38, A', B' est égal à 41 plus 1 cm, donc A', B' égale 42 cm. Place ensuite le point C', tel que B', C' est égal à la hauteur taille hanche, soit donc B', C' égale 22 cm pour toutes les tailles confondues. Tu peux maintenant tracer trois droites perpendiculaires à ton axe milieu dos, passant par les points A', B' et C'. Sur une trentaine de centimètres en B' et C' et une dizaine de centimètres en A'. Répète cette étape en A, B et C sur ton devant. Commence par déterminer ta ligne de taille devant afin d'obtenir en BE un quart du tour de taille plus 4 cm. Par exemple en taille 38, BE est égal à 68 divisé par 4 plus 4 cm. Donc BE est égal à 21 cm. Place ensuite le point E' tel que B' E' est égal à BE et identifie tes droites, les lignes de taille. Ensuite, place tes points D et D' pour obtenir DC et D' C' égal à un quart du tour de hanche plus 0,5 cm. Par exemple, en taille 38, CD égale C' D' sont égales à 24 cm. Pointe sur ton axe milieu devant le point F tel que FB est égal à une demi-longueur taille devant. Repère numéro 2 du tableau des mesures auquel tu ajoutes 0,8 cm. Par exemple en taille 38, FB est égal à 37 divisé par 2 plus 0,8 cm. Donc FB est égal à 19,3 cm. Place ensuite le point F' tel que F' B' est égal à FB et identifie ta ligne de hanche DC. Ensuite, trace une perpendiculaire à l'axe milieu devant en F et délimite ta droite FG telle que FG est égal à un quart du tour de poitrine. Par exemple en taille 38, FG est égal à 88 divisé par 4, donc FG égale 22 cm. Trace ensuite une perpendiculaire à l'axe milieu dos passant par le point F' et pointe le point G' tel que F'G' est égal à FG. Identifie tes lignes de poitrine devant et dos. Puis rejoins par une droite les points GE tout en prolongeant après G. Trace un angle droit en D sur environ 2 cm et répète cette étape en G', E' et D'. Prends ton pistolet 21 et trace une légère courbe harmonieuse du point E' au point D' tout en respectant un angle droit en D'. Répète cette étape sur le devant en DE. Tes courbes doivent être identiques entre elles. À ce stade, tu obtiens ceci. Crée maintenant ton encolure de buste. Place le point H sur ton devant afin d'obtenir en AH un tiers de la demi-encolure plus son 1/5. Par exemple, en taille 38, AH est égal à 18 divisé par 3 plus son 1/5. AH est égal à 6 plus 6 divisé par 5. AH est égal à 6 plus 1,2, donc AH est égal à 7,2 cm. Trace une droite parallèle à l'axe milieu devant en H sur une dizaine de centimètres et place ton point I tel que HI est égal à un tiers de la demi-encolure, repère numéro 9 du tableau des mesures. Par exemple, en taille 38,
HI est égal à 18 divisé par 3, donc HI est égal à 6 cm. Trace ensuite à l'aide de ton pistolet numéro 21 ton encolure devant avec tes angles droits en A d'environ 1,5 cm et en I d'environ 0,5 cm. Passons maintenant à l'encolure dos. Place le point H' tel que A'H' est égal à AH. Puis trace une parallèle à l'axe milieu dos en H' sur environ 5 cm. Pointe I' sur ta nouvelle droite afin d'obtenir en H'I' une valeur égale à HI moins, entre parenthèses, A'B' moins AB. Par exemple, en taille 38, H'I' est égal à 6 moins 42 moins 37, soit H'I' est égal à 6 moins 5 qui est égal à 1 cm. Trace ensuite ta courbe d'encolure dos à l'aide d'un pistolet numéro 21 en respectant une platitude de 3 cm en A' et de 0,5 cm en I'. Place ensuite le point J pour avoir en HJ une distance égale à 1 tiers de HI. Trace une perpendiculaire au milieu devant passant par le point J sur une quinzaine de centimètres, puis porte la valeur d'épaule avec ton compas en IK. Par exemple, en taille 38, IK est égal à 12 cm. Prolonge après ton point H' ta droite I'H' sur ton buste dos et place le point L' tel que H'L' est égal à 2 tiers de HI moins H'I'. Trace une perpendiculaire à l'axe en passant par le point sur une quinzaine de centimètres et porte ta valeur d'épaule, repère numéro 12 du tableau des mesures, en I'K'. Maintenant, on va placer les lignes de carrure. Donc sur ton devant, place le point M tel que MF est égal à 1,5 de AF. Puis trace une perpendiculaire à l'axe passant par ce point. Délimite ta carrure devant en pointant le point N tel que MN est égal à 1,5 carrure devant, repère 11 du tableau des mesures, auquel j'ajoute 0,3 cm. Par exemple, en taille 38, MN est égal à 16,5 plus 0,3 cm, donc MN est égal à 16,8 cm. Sur ton buste dos, positionne le point M' sur ton milieu dos, tel que M'F' est égal à MF. Trace une perpendiculaire à ton axe en M' sur une vingtaine de centimètres et pointe ton point N' afin d'obtenir une demi-carrure dos en M'N'. Repère numéro 10 du tableau des mesures. Par exemple, en taille 38, M'N' est égal à 17,5 cm. Identifie tes lignes de carrure devant et dos. Et maintenant, nous allons déterminer notre côté de buste. Place le point O sur ta droite EG tel que EO est égal à entre parenthèses AB plus A'B' divisé par 4, auquel j'ajoute 1,5 cm. Répète cette étape en O' sur ton dos tel que E'O' est égal à EO. Trace ensuite un angle droit en O' ainsi qu'en O, puis de part et d'autre de N et N' et enfin en K' et K. Trace ta courbe d'embouchure du point O au point N en respectant une platitude de 1,5 cm en O et un angle droit en N. Tu peux maintenant tracer la courbe d'embouchure devant. Place ensuite ton pistolet numéro 21 sur le haut de ton embouchure pour fermer celle-ci en respectant un angle droit en N et en K. Répète cette étape à l'emmanchure dos en respectant un angle droit en K' et N' et une platitude de 1 cm en O'. Prends ensuite ton devant et plie ta feuille au niveau de ton épaule. Positionne ton devant et ton dos par les épaules comme affiché à l'écran en bloquant celle-ci avec tes épingles fines. Trace sur ton buste devant une droite parallèle à ta pente d'épaule à 1,8 cm de distance de IK. Prends ta roulette et passe celle-ci sur ta nouvelle pente d'épaule ainsi que sur ta courbe d'encolure devant et ton début d'emmanchure. Assure la partie grisée à l'écran. Tu peux maintenant retirer tes épingles. On a donc décalé l'épaule pour une question d'esthétique. Identifie ton buste de base devant simplifié ainsi que la taille que tu as choisie. Puis sur ton dos, retrace proprement à la règle ta nouvelle pente d'épaule et au pistolet numéro 21, ton ébauche d'emmanchure et ton ébauche d'encolure. Identifie ton buste simplifié dos ainsi que la taille que tu as choisie. Place ensuite une marge de sécurité parallèle au milieu dos d'une largeur de 1 cm
et répète cette étape sur ton devant. Puis découpe soigneusement tes demi-bustes simplifiés. Grâce aux marges de sécurité, tu ne déformeras pas tes milieux. Tu peux maintenant passer au gabarit. Donc prends du papier cartonné, une colle et des poids. Découpe deux hauteurs d'environ 75 cm et trace sur une de tes deux feuilles un axe stylo bille rouge à 3 cm du bord gauche sur toute la longueur de ta feuille. Trace à nouveau sur ton autre feuille un axe au stylo bille rouge à 3 cm du bord droit de ta feuille. Puis, colle ton buste devant en positionnant l'axe milieu devant sur l'axe de ta feuille et positionne des poids en laissant en attente environ 15 minutes. Répète cette étape avec ton buste dos sur ton autre feuille cartonnée. Pour terminer, découpe soigneusement le contour des deux gabarits. Et voilà, tu obtiens donc le buste de base simplifié. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous donc pour une nouvelle vidéo très prochainement où je vais t'apprendre à réaliser un t-shirt crop top. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.